Donc voilà, bienvenue à cette table ronde où on a donc trois intervenants que je présente très rapidement pour qu'on commence assez dans le temps et qu'on termine aussi dans le temps. Tout d'abord, en fait, la table ronde, elle est sur les relations entre la montagne, c'est-à-dire là où on travaille à son atelier, pour une grande partie, mais de plus en plus, on travaille aussi sur la vallée. Et donc, cette interrelation entre montagne et vallée est donc le contenu, l'élément clé de cette table ronde. Et notamment, surtout, c'est toutes les transformations écologiques, mais aussi socio-économiques, qui vont avec ce lien et ce changement de lien entre la vallée et la montagne. Et pour cela, on a trois intervenants, et je vais commencer avec Philippe Bordeaux, qui est professeur à l'Institut... Attends, j'ai aimé le U. L'Institut de l'urbanisme et de géographie alpine, et donc qui travaille sur la géographie culturelle et qui va partager avec nous quelques éléments sur de base, des concepts sur cette relation entre vallée et montagne. Après, on a une intervention de Alexandre Mignotte, qui est à côté de moi, qui est chargé de mission pour la politique montagne à la métropole de Grenoble. Et donc, Alexandre, il est docteur en géographie et donc a travaillé longtemps pour la CIPRA et ensuite pour la région Rhône-Alpes, pas Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Et donc, qui aujourd'hui aussi notre correspondant au niveau de la zone atelier pour les relations avec la métropole. Et le troisième intervenant, qui est tout à droite ou tout à gauche de vous, c'est Marc-Jérôme Azid, qui est actuellement directeur de CIPRA France et qui, comme Alexandre, est aussi docteur en géographie. Et il était consultant pendant quelques années. Et donc, sans tarder, je vais passer la parole à Philippe qui va commencer. Nous, on a opté pour un autre format. Donc, on aura 3 fois 10 minutes d'intervention de nos trois intervenants. Et ensuite, on aura 40 minutes de discussion avec la salle. Donc, je vous propose qu'on déroule les trois présentations et ensuite, on vous pose nos questions. Voilà. Merci, Thomas. Je ne sais pas si c'est... cette présentation qui est active, non, peut-être pas. Ça, c'était la page d'accueil. Il faut que tu fasses tout ici. Oui, c'est ça. Alors, Bordeaux. Et après, projection. Merci beaucoup, Virginie. Merci de votre patience. Oui, donc moi, ce que j'ai prévu de faire, c'est une petite introduction, d'une certaine manière, très, très axée sur ce que je vais appeler de la géographie culturelle, et autour de l'idée d'illustrer, d'imager, d'une certaine façon, ce qu'on pourrait appeler l'entre-deux ville-montagne. Ville-montagne, en un seul mot, dans le sens où un des axes que je développerais, c'est... La montée de cette fusion, en quelque sorte, cette redéfinition des statuts de la ville et de la montagne. Tout ça dans une perspective d'habitabilité. Qu'est-ce qui rend la montagne habitable? Est-ce que c'est la présence, la proximité de la ville? Et vice-versa, qu'est-ce qui rend la ville habitable? Peut-être la présence et la proximité de la montagne. Je vais être, l'idée, c'est de partir ou de remobiliser ce qu'on pourrait appeler un imaginaire, hein, un imaginaire qui fait de la montagne une sorte d'anti-monde urbain par excellence, une sorte d'antithèse parfaite, une image inversée de la ville, pas de foule, pas de voiture, pas d'administration, pas de périphérique, pas d'hypermarché. Alors, on trouve là dans le discours publicitaire que j'utilise ici, hein, comme témoin
comme dépositaire de représentations sociales et spatiales actives dans une société à un moment donné. On retrouve là, en quelque sorte, des invariants de l'imaginaire de la montagne qui a toujours été pensée comme porteuse d'une altérité radicale, hein, d'une certaine manière. Avant les antidépresseurs, il y avait la montagne. C'est cette vision quasiment curative, hein, d'une certaine façon, palliative. Alors bien sûr, on sait qu'on peut retrouver d'autres représentations qui activent un imaginaire un peu plus ironique, un peu plus caustique, qui nous donne à voir une montagne, au contraire, qui serait devenue un parc de loisirs suraménagé, artificialisé, entre autres urbanisé, bien sûr. Une contradiction majeure par rapport à notre imaginaire, porteur d'une espèce de virginité intemporelle. Donc la montagne est bien aussi dans cette société-là. Et alors ce qu'on voit se dessiner dans l'imaginaire à travers le discours publicitaire, dont je donne ici simplement des fragments, hein, c'est pas fragments issus d'un corpus sur lequel j'ai travaillé il y a quelques années, ce que l'on voit, c'est s'installer une sorte de jeu de centralité et de périphérie entre la ville et la montagne, avec des représentations qui vont varier, hein, d'une certaine manière. Parfois la ville est au centre des montagnes, comme ici dans cette publicité. Parfois c'est la montagne qu'on va voir rêver, projeter au cœur de la ville. Ça, c'était un projet utopiste à Berlin, hein, sur l'ancienne friche de l'aéroport Tempelhof. Un projet urbanistique, hein, d'une montagne artificielle, The Berg, qui devait faire 1000 mètres de dénivelé et qui devait installer au cœur de la ville, sur une friche, une montagne, comme pour témoigner d'une certaine façon, alors, de la rénovation urbaine, de l'installation de cette dimension de ville durable. Il y a un enjeu de verdissement des villes dans lequel la montagne joue un rôle clé, un peu à la façon d'un symbole d'hypernaturalité. Peut-être que la montagne est par excellence cette nature, peut-être le degré de naturalité le plus opposé à la ville, sans parler des déserts qui eux sont représentés comme inhospitaliers. Donc la montagne, en cela, elle est aussi un espace de nostalgie, d'une certaine manière, d'une relation à la nature. Alors, les visuels sont très... Entre la Bastille, petite montagne des Grenoblois, et puis The Berg, on a une homogénéité de couleurs, hein, de tonalités, qui renvoie à cet enjeu de verdissement de la ville, avec des jeux de centralité et de périphérie qui évoluent. Alors, bien sûr, la présence de la montagne dans la ville, c'est un domaine auquel on peut s'intéresser, c'est-à-dire comment l'altérité montagnarde investit la ville. Alors, elle l'investit bien sûr depuis une trentaine d'années avec des équipements qui permettent des pratiques de montagne urbaine, murs d'escalade, ski home, ski hall, etc., parcours d'aventure. Ça, c'est l'aspect, je dirais, aménagé, hein, mais ce n'est pas le seul. La publicité nous donne aussi à voir une ville habitée, mobilisée, détournée par les pratiques de nature. Alors on a là, dans le discours publicitaire, de multiples décalages, clins d'œil, dans lesquels on remarque, alors notamment dans ces deux images que j'ai sélectionnées, la mobilisation de la symbolique de la neige comme levier de transfiguration, de subversion de l'urbanité par un élément naturel, dont on peut imaginer que plus il devient rare, plus il prend aussi une force en termes d'imaginaire. Donc là, on voit bien que la ville aspire à être autre chose qu'une simple urbanité réduite à une fonctionnalité économique, sociale, institutionnelle. Alors, il y a tout un registre publicitaire qu'on pourrait mobiliser pour montrer comment la publicité met en scène des représentations porteuses de limites de plus en plus poreuses entre la ville et la montagne. Des liens, des passerelles, des télescopages, des superpositions, des substitutions, hein, comme cette image dans laquelle
l'ascenseur incarne l'ascension et le bouton de l'ascenseur remplace le soleil d'une certaine façon. Donc ça, c'est tout le vaste champ de l'imaginaire hein, que je mobilise un peu à marche forcée, là, et que je vais compléter par une autre approche qui porte, elle, sur la relation ville-nature à travers... je vais donner quelques éléments issus d'un programme ANR qui s'appelait TERHAB, territorialité et habilité dans les espaces périurbains, dans le cadre duquel, porté par l'UMR Pacte, ici à Grenoble, dans le cadre duquel on a travaillé sur un transect entre l'agglomération grenobloise et puis le Vercors, en remontant les deux routes d'accès au Vercors, par Saint-Dizier et par Angin. Et là, on a observé des mutations de mode de vie et d'habiter en interrogeant le rôle clé des pratiques récréatives et résidentielles, en essayant de voir comment le résidentiel et le récréatif se mixaient hein, dans l'aspiration à un mode de vie bah, qui serait à mi-chemin entre la ville et la montagne. Donc on a observé en fait tout un tas de recompositions, de façons de créativité dans les relations ville-montagne, qui donnait à voir des choses assez assez stimulantes en matière d'entre-deux, un entre-deux entre le sauvage et l'urbain, hein, à l'image de cette coupure de presse là, un automobiliste percute un loup à Saint-Dizier-du-Moucherotte, c'est anecdotique, hein, mais voilà, c'est le statut de cet espace là, la circulation périurbaine et la présence du sauvage incarnée par un animal. On s'est aussi beaucoup intéressé à la trajectoire post-touristique de Saint-Nizier-du-Moucherotte, qui, d'une station de ski et même station olympique dans les années 60-70, est devenue un parc résidentiel périurbain, commune dans laquelle 60% des habitants n'étaient pas là il y a 10 ans, hein, à l'image de l'ensemble des communes du plateau du Vercors. Hein, on est dans les mêmes proportions. Il y a, plus de la moitié des habitants qui n'étaient pas là il y a 10 ans, qui a un très fort renouvellement et une très forte croissance démographique liée à l'émigration de citadins. Avec à la clé tout ce qu'on pourrait déceler comme des indices de ce que certains ont appelé la rurbanisation, donc le mélange entre l'urbain et le rural, rural-urbain, rurbanisation. Des maisons construites autour d'arbres, des constructions très largement ouvertes sur le paysage pour faire rentrer la montagne en même temps qu'on sort habiter, vivre sur des terrasses, construire des poulaillers et des ruches alors qu'on a des modes de vie complètement urbains, s'impliquer dans des fêtes locales. Ça fait partie des choses qu'on a pu observer, suivre dans la durée, dans le cadre de l'ANR. En observant quelque chose qui... s'apparente d'une certaine façon à ce qu'on pourrait appeler une gentrification, un embourgeoisement, c'est-à-dire, et là en l'occurrence une éco-gentrification dans le sens et avec cette dimension de la verticalité, avec l'idée que les gens qui investissent la montagne viennent chercher là un paysage, un cadre de vie propice aux pratiques récréatives qu'ils affectionnent, mais aussi un milieu qui va les mettre à l'abri, eux et leurs enfants, des turbulences urbaines et des pollutions urbaines. Hein, la pollution vue d'en haut, ça fait peur, on voit bien la dimension surplombante hein, d'une certaine façon de ce point de vue. Cette dynamique, elle est très porteuse. Alors certains auteurs appellent ça de la greenification, c'est-à-dire de la gentrification verte, hein, avec plein de dynamiques d'innovation sociale, puisque ces gens-là qui viennent de la ville, ils participent à la construction de recycleries, de tiers-lieux, d'espaces de coworking, etc., malgré un très fort turnover, et des relations très contrastées avec les habitants plus traditionnels. Avec un petit clin d'œil, vous avez, je ne sais pas s'il y a des lecteurs du Postillon ici, l'année dernière, ils avaient fait une couverture sur voilà, Grenoble ne peut pas accueillir tous les ingénieurs du monde, parce qu'ils habitent tous dans les montagnes et ils descendent tous les matins avec leur 4x4 ou leur grosse voiture. Petit clin d'œil à cette idée de gentrification et d'entre-soi, d'une certaine manière, avec tout ce que ça suppose, d'une certaine façon de rejet aussi du lien avec l'agglomération. C'est ça qui est paradoxal, et je terminerai là-dessus, hein, c'est que le lien avec l'agglomération, il est structurel, puisque ces gens-là sont très souvent des navetteurs,
Ils ont choisi de vivre à la montagne, c'est un mode de vie choisi pour toutes ses qualités, toutes ses aménités, mais ils ont un lien assez, tourmenté à la métropole, dans laquelle ils vont pour leur travail, pour leur loisir. Alors on peut dire que l'exode des classes privilégiées et grenobloises vers la montagne a commencé, exode climatique, exode social d'une certaine façon, hein. Mais par exemple, ces gens-là refusent la relation téléportée qui avait été envisagée avec Grenoble. Je crois que Marc Jérôme en parlera ensuite. Et à Champs-Rousse, on a la même configuration, hein. Alors là, j'ai superposé une coupure de presse avec une photographie que j'ai prise dans un petit livret qui avait été mis à disposition du public à Champs-Rousse lors d'une exposition qui présentait le projet de rénovation urbaine de la station, et sur lequel beaucoup d'habitants avaient écrit qu'ils rejetaient en fait le projet de téléphérique du fait du risque de montée de l'insécurité. Insécurité liée au téléphérique. Donc c'est inutile. On ne veut pas voir arriver chez nous des hordes de Grenoblois en goguette. Voilà, donc conclusion. Quel est le statut de la montagne dans la relation à la ville, cette centralité culturelle? Si on change d'échelle, hein, si on dézoome un peu, on va s'apercevoir qu'à l'échelle de l'arc alpin, on pourrait regarder les montagnes. C'est une coupure de presse de Cipra que je reprends, là, un article de notre collègue Bernard de Barbieu, qui, lui, montrait d'une certaine façon la campagne alpine comme un central park pour les villes des Alpes. Il est clair que ce qui se rejoue dans cette relation ville-montagne, c'est un ensemble de dualités avec des montées d'entre-deux, c'est-à-dire là où les frontières se rejouent. Habiter la ville en montagnard, habiter la montagne en citadin, avec un enjeu très fort qui est comment est-ce qu'on peut à la fois consolider les liens, les solidarités entre la ville et la montagne, mais préserver aussi l'altérité qui fonde cette puissance de l'imaginaire attractif de la montagne. Merci et pardon pour les deux minutes que j'ai dû prendre sur le temps. Ben merci beaucoup. Merci beaucoup Philippe pour cette mise en jambe un peu d'une certaine manière des relations entre la montagne et la ville. Et donc je passe directement la parole à Alexandre qui nous parlera en outre évidemment notamment un rééquilibrage de cette relation entre la ville et la montagne. Alexandre. Ça marche bien. Merci beaucoup. Bonjour ou rebonjour à tous. Et puis surtout, merci beaucoup à vous, membres de la zone Atelier Alpes, de m'accueillir aujourd'hui. Premièrement, parce que, effectivement, ma présence ici fait écho à la volonté de la métropole de se rapprocher du monde académique alpin d'une manière générale et surtout grenoblois et plus encore sur des questions relatives aux changements globaux d'une manière générale et puis sur un plan plus anecdotique et très personnel, ça me permet de retrouver des gens que j'avais quittés il y a quelques années, il y a même pas mal d'années maintenant malheureusement, à l'époque où j'étais dans des établissements universitaires qui sont donc les vôtres. Je vais pour ma part finalement parler exactement de la même chose que Philippe, mais avec une casquette de technicien de métropole, de collectivité territoriale qui cherche finalement à faire exactement ce que tu viens de dire à la fin, Philippe, c'est-à-dire consolider les liens, la solidarité entre... Je sais pas si elle doit être là. Ouais. Si, c'est bon, tiens, je l'ai. Voilà. Hop. C'est celle-là. F5. Donc, merci. À essayer de préserver, consolider, renforcer, remettre en valeur ces liens, ces solidarités entre le haut et le bas, tout en conservant l'altérité. Et là, je fais une petite parenthèse, par exemple, avec un travail d'étudiant de master qu'on a réalisé il y a 2 ans maintenant, justement, qui est un atelier de master 1 et 2 de l'IGA, qu'on avait appelé
comment c'était, Métropole Montagne, je t'aime moi non plus. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que en fait, les Grenoblois au sens très large, hein, j'inclus là-dedans les métropolitains, même au-delà de la métropole, sont très attachés. Enfin, ils font très bien, chacun avec les indicateurs, leur vécu propre, à travers leurs déplacements, à travers leurs activités. Ils font finalement très bien la différence entre ce qui relève de la ville et ce qui relève de la montagne. Pour certains, ça va être la date à laquelle on met les pneus neige. Pour d'autres, ça va être à partir de quel moment dans le trajet entre Grenoble et le Sapé en Chartreuse, on a une sensation visuelle. De changement paysager qui fait que là on est dans la montagne. Donc les Grenoblois au sens très large sont extrêmement attachés à ça, c'est-à-dire au maintien de cette dualité. Et c'est bien parce qu'il y a le maintien de cette dualité avec une capacité à la mettre en articulation que le territoire est intéressant à vivre et attractif. Donc on essaye de conserver ça. En ne retombant pas dans les travers de pseudo, je mets mon chrono en route parce que je sens que je vais être trop long, de pseudo fusion, c'est-à-dire l'espèce de mythologie de la ville-montagne. Alors, on utilise toujours cette expression ville-montagne, métropole-montagne, mais en aucun cas c'est une fusion, c'est une fusion parfaite. Voilà, donc là-dessus, j'irai très vite l'histoire, le présent et le futur de Grenoble sont intimement liés à la topographie, à la présence de ces montagnes. On pourrait revenir au pourquoi de l'implantation des premières populations à cet endroit-là, évidemment à la Houille Blanche, etc. Je ne vous refais pas l'historique. Les imbrications entre ville et montagne, d'un point de vue social, économique, ont toujours été très fortes. Il y a cette réalité territoriale, humaine, et puis il y a une réalité aussi plus administrative et politique qui est d'ailleurs à l'origine de finalement pourquoi il existe à la métropole de Grenoble une politique montagne et un bonhomme et c'est moi spécialement chargé de la question. C'est principalement dû à cette carte à gauche, c'est que en fait vous voyez l'évolution des limites de l'intercommunalité depuis 2000 jusqu'à 2016. En sachant que la dernière extension de périmètre a eu lieu en 2014, voilà, c'est qu'aujourd'hui, on est passé principalement d'une intercommunalité de plaine à une réelle intercommunalité de montagne. C'est-à-dire que quand on absorbe l'ex-communauté de communes des balcons de Chartreuse ou l'intercommunalité du Sud-Isère, qui sont des territoires à plus de 80% de couverts forestiers, qui sont des territoires qui font que... on a des activités particulièrement marquantes de la montagne, évidemment du ski au col de Porte, mais pas que, du pastoralisme, etc. Nécessairement, l'acteur public métropolitain, il ne peut plus faire comme si ça n'était pas constitutif de son territoire. Avec, vous le voyez, 34 communes classées montagne, un métropolitain sur trois qui est dans une commune classée montagne, des communes partagées avec les parcs de Chartreuse, Vercors, avec le massif de Belledonne, etc. Donc cette prise en compte de la montagne dans les politiques métropolitaines, dans l'action publique, elle date pas d'hier. Hein, j'ai mis tout en bas une suite d'interventions et de dispositifs thématiques depuis plus de 10 ans, mais finalement depuis plus longtemps que ça. Mais c'était principalement du one-shot, quoi. Des fois complètement loupé, comme par exemple le câble, hein. Vers le Vercors, mais il y a toujours eu des projets souvent assez opportunistes, mais j'y vois aucune malice dans l'idée, entre la ville et la montagne. Du fait de cette évolution des périmètres, comme je vous l'ai dit, il y a eu une action, une volonté politique de délibérer pour lancer une démarche de définition d'une politique montagne, dont j'ai eu donc la charge à partir de 2016, et qu'on a volontairement souhaité construire patiemment.
parce que la pire erreur qu'on pouvait faire, surtout que l'historique du cap du Vercors est quand même un boulet qu'on va traîner encore un petit moment, la pire des choses à faire, ça aurait été de faire ce qu'on m'a demandé quand je suis arrivé sur mon poste en mars 2016, c'était de faire délibérer, voter une politique montagne métropolitaine avant la fin de l'année. Donc à l'époque, avec mon collègue, on a dit c'est super, hein, si vous avez envie qu'on se fasse dégommer par les acteurs de la montagne qui portent encore tout ce que tu as dit au début, Philippe, c'est-à-dire voilà, les vrais détenteurs de la montagne, de la montagnité, de l'identité montagnarde, c'est nécessairement pas nous qui sommes en bas dans des bureaux à rien foutre. Enfin, voilà, je prends caricature volontairement parce qu'on l'a entendu souvent. Mais voilà, c'est les élus des communes de Chartreuse, et les gens qui habitent là-haut, voire au-delà, etc. Donc, de faire inscrire noir sur blanc par la métropole, qui est quand même l'incarnation de l'administration urbaine, une politique montagne, ça aurait été particulièrement... Enfin, je veux dire, ça voulait dire qu'on n'aurait jamais rien fait, quoi. On se serait fait tirer dessus immédiatement. On aurait endossé illégitimement des habits qui n'étaient pas les nôtres. Donc on a foncièrement voulu prendre notre temps, c'est-à-dire renouer le dialogue avec les acteurs de la montagne, de tous horizons, pour construire des cadres d'action et réaliser du projet. Donc, je vais vous montrer juste maintenant quelques images. Ça, aujourd'hui, c'est l'image carte de visite pour vendre la métropole à l'international. Ça fait à peine un an que cette photo elle est vendue. Vous prenez l'iconographie de toutes les grosses boîtes grenobloises. Elles vendent ça depuis des années. En fait, elles ont toujours vendu ça. Bon, nous, on est un peu lent. On ne le vend que maintenant. Mais en fait, c'est typiquement l'illustration de ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que l'acteur public, les démarches de marketing territorial, ce n'est pas forcément très facile à mettre en place. Mais du fait justement de l'acquisition du statut de métropole, de la concurrence nationale, internationale des métropoles, il faut qu'on trouve une identité, il faut qu'on se différencie. Et toutes les études montrent que ce qui caractérise le plus la ville, c'est justement cette imbrication, cette proximité ville et montagne. Donc aujourd'hui, quand on cherche en premier lieu à vendre la ville, à rendre la ville, la métropole attractive, on vend ça exactement comme, je vous le disais, les grosses boîtes privées le vendent. Donc c'est... c'est marquant et de mon point de vue, ça marque vraiment un tournant. Je pense qu'il y a encore quelques années, on allait vendre le CEA ou des salles blanches. On ne vend plus les salles blanches, on vend ça. Parce que de toute façon, les gens qui vont dans les salles blanches, ils vont là. Et puis c'est pour ça qu'ils viennent, hein, pas pour les salles blanches. Ils savent ce que c'est, ils bossaient dans les mêmes à Singapour ou aux États-Unis. Alors, après, on a commencé à monter des choses. Donc ça, c'est une traduction. Donc c'est un forum qu'on a organisé il y a plusieurs mois, juste en face, à Sciences Po. C'était le premier forum Métropole-Montagne, où on a vraiment... on s'est senti assez légitime pour dire à tous les acteurs privés, publics, venez, la métropole vous invite à venir discuter avec nous de ce que c'est ou ce que devraient être nos rapports à la montagne, tous ensemble. Et c'était un peu risqué, ça a été une vraie réussite, disons-le, je le dis d'autant plus facilement que c'est les participants qui l'ont dit. Et ils ont particulièrement apprécié justement ce côté... fenêtre ouverte, quoi. C'était pas nous ce qu'on voulait. En fait, la métropole a très très peu parlé pendant ce temps-là, et c'est véritablement cette stratégie qu'on cherche à adopter et qui se traduit par exemple dans le conventionnement qu'on a en cours avec la zone Atelier Alpes. C'est que on cherche absolument pas à dire aux acteurs de la montagne qu'est-ce que c'est que la montagne. Non, on cherche plus à comprendre avec eux ce que c'est que la montagne, même si personnellement, pour travailler sur des problématiques liées à la montagne depuis 20 ans, j'ai une petite connaissance sur ce qui se passe en montagne, mais je me garde souvent de le dire, quoi, parce que c'est pas du tout la stratégie de co-construction, de solidarité, comme tu l'as évoqué, Philippe. Alors cette idée-là, on cherche évidemment cette stratégie, on cherche à la mettre en place, bien sûr, au niveau local, mais aussi au niveau national, parce qu'on est désormais membre du comité de Massif, on est membre de l'ANEM aussi, et c'est là où je reviens sur ce que tu disais, Philippe, tout à l'heure, c'est-à-dire sur les clichés, quoi. C'est-à-dire que l'année dernière, j'avais réussi à faire parler Christophe Ferrari à l'Assemblée générale de l'ANEM. Je veux dire, c'est... Enfin, je ne tire pas une...
une gloire personnelle, mais pour, si jamais vous connaissez un petit peu l'ANEM, c'est déjà un foyer du communalisme. Mais en plus, la ville, comme l'a dit Philippe, c'est l'antithèse de la montagne. Y faire intervenir officiellement un président de métropole, franchement, ça s'est jamais vu, je crois. Et en plus, sur des questions de transition. Donc ça, c'est des choses vraiment qu'on essaye de mettre en place, de diffuser à toutes les échelles, dans toutes les sphères d'influence, et notamment des sphères, comment dirais-je, souvent un peu... encore un petit train de retard, je trouve, sur les imbrications des catégories socio-spatiales et leur déclinaison humaine. Quelques simples images après pour vous montrer ce qu'on fait, des projets plus locaux. À gauche, c'est des très belles photos, parce que c'est des photos qui sont liées à un travail liées à une expo photo et à une vidéo qu'on fait par rapport à un projet de dépollution sur l'Avance, juste à côté, à Quay-en-Chartreuse. Où s'est greffée une dynamique d'acteurs assez incroyable. Ça fait deux années qu'on fait une campagne de dépollution sur cette rivière dans laquelle il y a entre 60 et 80 carcasses de bagnoles qui ont été allègrement déversées dans la rivière, jusque dans les années 80-90, c'est-à-dire à l'époque où... et voilà, j'ai fini. à l'époque où il fallait payer pour venir... par contre, je ne sais pas comment on l'arrête. Ouais. C'est la première fois que je m'en sers. À l'époque où on venait pas chercher vos carcasses de voitures gratuitement chez vous, donc pour s'en débarrasser, on allait les mettre là où on les voyait pas trop. Alors que là, maintenant, cette rivière, y a un projet de revalorisation, parce que c'est une belle rivière, parce qu'il y a plein de choses aujourd'hui qui font que les gens viennent de plus en plus. Il y a des sentiers de randonnée, il y a un site d'escalade du pont de Vence, il y a l'Infernet, qui est un site de canyon juste en dessous. Puis finalement, on redécouvre cette partie de la rivière, et en fait, on se rend compte qu'elle est vraiment dégueulasse, et donc il faut la nettoyer. Et derrière ce projet, il y a né une vraie imbrication publique, privée. À chaque campagne de dépollution, il y a l'agriculteur qui vient mettre à dispo son tracteur, etc. Et pour nous, c'est très important d'être partenaire de ces petites actions, parce que c'est là aussi où on gagne la crédibilité d'élus locaux, de maires, de citoyens, et ils se rendent compte que la métropole, oui, elle sait faire des choses, et oui, elle comprend des choses par rapport à la réalité des communes de montagne. Après, juste à côté, c'est une collaboration sur des logiques de territoire énergie positive avec... mon collègue Emmanuel Jean-Jean du Parc du Vercors, que vous connaissez peut-être, et qu'on a présenté ensemble lors du dernier congrès des parcs à Saint-Étienne, il y a quelques semaines, dont le thème était justement les relations PNR et espace urbain. On a un contrat de réciprocité en cours avec le Trièves. Qu'est-ce que nous dit le PADD? Quel projet politique du PLUI? Il dit qu'il y a quatre axes pour une métropole montagne forte de ses diversités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette idée, cette présence de la montagne rentre aussi dans les documents de programmation, les documents analytiques. Et parce que je dois tendre la perche à Marc Jérôme, cette chose-là, on la retrouve aussi dans tous les documents un peu intégrateurs et de planification de la métropole aujourd'hui, notamment dans son plan Air, Énergie, Climat, qui va s'appuyer sur le schéma directeur énergie. Et qu'est-ce que nous dit le schéma directeur énergie, qui globalement veut que la métropole soit dans une stratégie de décarbonisation? Pour la faire courte, la décarbonisation, ça veut dire utiliser de plus en plus les renouvelables. C'est le cercle que j'ai mis au milieu. Et ça veut dire quoi, les renouvelables? Ça veut dire utiliser principalement un recours... renforcé au bois, entre 55-60% du territoire métropolitain est couvert de forêts, ça veut dire qu'on peut déjà beaucoup travailler sur la ressource existante, mais on n'en aura jamais assez. On n'en aura jamais assez, surtout que vous avez peut-être entendu parler d'une nouvelle super big centrale au bois qui s'appelle Biomax, qui devrait être inaugurée autour de 2020 sur la presqu'île. Et avec un truc comme ça, il va falloir en brûler du bois pour chauffer toute la ville. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on rentre dans des relations véritablement commerciales, mais équitables avec les territoires voisins, pour favoriser des circuits courts, pour aller chercher du bois de Chartreuse, mais en même temps on va pas tout couper parce qu'ils viennent d'avoir une AOC bois de Chartreuse cette semaine, donc qui est très intéressante sur la valeur ajoutée du bois construction. Ensuite, il y a un marché de bois piquet dans les Chambarans qui est très lucratif parce que c'est bien pour la vigne. Donc il faut pas que, parce que nous on a un besoin de bois, on aille assécher et on aille tuer les marchés locaux des ressources. Donc voyez comment ces imbrications ville-montagne, et puis surtout au regard des changements globaux et des orientations politiques majeures qui sont prises, notamment en matière d'énergie,
on a une forme, et je reviens sur ce que tu disais sur les logiques de centralité périphérie, une forme d'inversion un peu. C'est-à-dire que les régimes sociotechniques des réseaux et des systèmes énergétiques, principalement, ont tendance à s'inverser. C'est-à-dire qu'on devient vraiment... de plus en plus dépendant, et je m'arrête, promis. Voilà, il faut vraiment que tu conclues, s'il te plaît. Tu as beaucoup de choses intéressantes à dire, et tu as bien lancé déjà, je pense, Marc Jérôme. Et donc, merci beaucoup, et on va essayer de passer la parole... Si c'est... Voilà, je vous laisse applaudir Alexandre quand même. Et pour tout ça, on a besoin de connaissances, de plus en plus de connaissances, d'où la nécessité d'adhérer à la zone Atelier Alpes. Bah, merci beaucoup. Et donc, on continue donc sur cette lancée-là avec notre dernière intervention de Marc Jérôme, qui nous parlera peut-être rapidement de la CIPRA et son côté international, mais surtout de l'énergie renouvelable, ce qu'on a entendu tout à l'heure aussi, de la mobilité par câble. Ok. Je fais pas partir mon chrono en retard, en plus, comme Alexandre. Ça va, ils s'y connaissent. Voilà, donc je vais vous parler... je vais avoir une entrée qui est la transition énergétique pour aborder cette relation ville-montagne, mais on aurait pu en prendre d'autres. La CIPRA a été créée en 1952, une ONG. C'était des chercheurs de tout l'arc alpin qui se sont réunis pour protéger les Alpes parce que commençaient à se construire des grands barrages à travers tout l'arc alpin. C'est en 1997 qu'a été créée des délégations nationales, dont CIPRA France, qui est basée ici à Grenoble, notamment pour avoir une entité dans chaque pays pour voir ce qui se passait et avoir un rôle d'observateur de la Convention alpine, et puis maintenant d'un nouveau traité dont vous avez dû entendre parler, pas un traité, une stratégie, la stratégie macro-régionale alpine qui englobe un espace plus grand et notamment les métropoles, dont la métropole lyonnaise par exemple. Quelles sont les missions, le rôle de CIPRA? Je dirais deux grandes missions. La première, c'est injecter du développement durable dans les politiques publiques européennes, de massifs et des régions. Deuxième mission, c'est accompagner les territoires dans leur transition selon les principes du développement durable. Je précise pour nous ce qu'on entend par développement durable, c'est bien les quatre piliers, c'est l'économie, c'est le social, c'est l'environnement et on ajoute la gouvernance. Point très important pour nous, une des missions essentielles, c'est de mettre en synergie les élus, les agents, les professionnels et les habitants. On essaye de mettre ça au cœur de notre action. Et bien sûr, je ne l'ai pas mis ici, mais on a besoin de l'appui des scientifiques pour comprendre et nous accompagner dans ces processus. Alors donc, illustration de tout ça par une entrée sur la transition énergétique que je vais illustrer par le développement des énergies renouvelables et puis par un travail engagé sur le transport par câble. Tout d'abord, un rappel, une diapositive pour rappeler les enjeux de transition énergétique. C'est difficile de résumer ça en une diapositive, mais pour fixer un peu le cadre. La consommation finale énergétique en France, je ne vous mets pas les valeurs absolues, mais en pourcentage, c'est 45% lié au résidentiel tertiaire, 33% au transport et 19% à l'industrie. Si on l'affiche un peu différemment en termes de rejet de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on voit qu'il y a un poids prédominant des transports, 29%, 20% l'agriculture, 19% le bâtiment, etc. On voit simplement à travers ces chiffres que le nucléaire joue un rôle très important en France. C'est une des sources principales de production énergétique. Nos enjeux, on les connaît à l'échelle planétaire, hein, c'est la COP21, celle de Paris, et on le retrouve et on a besoin de changer de modèle énergétique, donc de rentrer dans une transition énergétique. J'ai pris ici le scénario Négawatt qui nous dit en gros il faut réduire notre consommation, ça passe par de la sobriété et de l'efficacité, je le définis pas, on pourra en parler après. Et puis, une fois qu'on a réduit cette consommation d'énergie, cette énergie qui est encore
qui est encore présente, il faut la produire sous la forme d'énergie renouvelable. Voilà, donc ça sera mes deux sujets, la question des transports dans le lien ville-montagne et des énergies renouvelables. Alors, transport par câble, Philippe, aussi bien Philippe que Alexandre m'ont déjà tendu une perche. Je ne vais pas reposer les enjeux du transport par câble. Rapidement, dire qu'il y a aussi un enjeu environnemental de développer ce genre d'infrastructure, éviter qu'il y ait des voitures qui cheminent de la plaine jusqu'en montagne, les remplacer par un moyen de transport qui, environnementalement, est intéressant. Je me suis tourné vers Inès hier, qui est présente dans la salle, et s'il y a des questions, je compterai sur elle. Et je lui ai posé deux questions. La première question, c'était qu'est-ce qu'apporte l'analyse paysagère? Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter? Et c'est un choix d'aborder le transport par câble par une analyse paysagère. Le problème qu'on rencontre actuellement, c'est qu'on traite beaucoup le transport par câble par une entrée technique. Or, il y a des enjeux d'acceptation sociale, comme on a pu le voir juste au préalable. Voilà, et donc l'analyse paysagère nous permet d'être à l'écoute du territoire, de nous nourrir du territoire et des discours portés par les différents acteurs. Il y a un outil qui pourrait être utilisé, c'est de l'analyse embarquée, par exemple un drone qui va pouvoir parcourir les montagnes pour faire de l'observation et le soumettre ensuite à différents publics. Et donc à partir de cela, on va recueillir du sensible, de l'émotionnel par le mouvement généré par ces vidéos prises le long des tracés. Et ceci va nous permettre de déboucher sur de la prospective, c'est proposer des lectures du territoire et se projeter dans quelque chose qui n'existe pas encore. Voilà. Et plutôt que générer potentiellement du conflit à partir de chiffres, ces temps qu'on va déchiffrer, ces temps de millions, on va aller toucher à du sensible. C'est le pari qu'on le fait à travers l'analyse paysagère. Pour Cyprafrance, je dirais, pour nous faire confiance à cette approche paysagère, on le voit l'analyse paysagère comme un outil pour comprendre le développement durable et travailler sur ces quatre piliers. Deuxième question que j'ai posée à Inès, c'est qu'est-ce que peut nous apporter la dimension internationale? Parce que cette thèse se fait à travers une comparaison entre Grenoble et Innsbruck. Alors Grenoble et Innsbruck, pour ceux qui connaissent Innsbruck, c'est deux territoires qui morphologiquement sont assez similaires, mais qui ont connu deux destinées différentes. Et la question qui se pose derrière, c'est qui influence quel choix dans la destinée de ces deux villes. Et dans ce qu'on voit pour Innsbruck, clairement, c'est une ville-station qui a été à la conquête de ces montagnes. Et on le voit sur cette photo qui aurait mérité d'être plus grande, mais la piste de ski qui va se jeter directement dans la ville avec cette liaison par le câble. Au contraire, je pense qu'Alexandre pourra en dire plus. Pour Grenoble, on sent qu'on est, il y a une réflexion sur l'identité de Grenoble actuellement et de son lien à la montagne et comment se positionne le câble. Est-ce que c'est le câble pour une conquête urbaine ou est-ce que c'est une conquête en direction des stations? Il y a effectivement Champs-Rousses dont tu as parlé tout à l'heure. Voilà. Et puis derrière, point à préciser, la structuration administrative est totalement différente entre ces deux villes, où la métropole est très présente ici à Grenoble, tandis que du côté de Innsbruck, la métropole, on n'en parle encore pas beaucoup. Il y a un enjeu vraiment très, très, très ville. Ça n'existe pas, hein, la métropole. Petit document, Respont, qui avait été initié par IRSTEA et CIPRA, qui compare les dynamiques résidentielles urbaines dans les grandes villes métropolitaines. J'en viens au développement des énergies renouvelables, mon deuxième temps. Je vois que je suis déjà bien lancé dans le temps. Donc je vais prendre ce scénario qui est issu du SRADET de la région Sud-PACA. Ça traduit ce que je vous disais tout à l'heure. Au niveau des consommations, on a besoin de diviser en gros par deux
notre consommation d'énergie. Et en termes de développement des énergies renouvelables, en vert, on voit la nécessité de développer toutes ces énergies renouvelables et notamment le photovoltaïque au sol. C'est ici. Conséquence, on va avoir un enjeu très fort à venir entre développement des énergies renouvelables et conservation de la nature. C'est un enjeu qu'on connaît déjà au niveau de l'hydroélectricité, sur lequel les scientifiques, je pense, vous cassez encore la tête de trouver des solutions, comment on gère l'hydroélectricité et ses conséquences. On va avoir de plein fouet à traiter ce même enjeu, notamment au niveau du solaire, peut-être secondairement au niveau de l'éolien. Produire de l'ENR et en même temps minimiser les impacts sur les écosystèmes et le paysage. Deux travaux qu'on accompagne, citer tout d'abord les travaux du Master 2 Géoïde, qui sont en train de constituer un atlas des Alpes 2.0 en partenariat avec la zone Atelier Alpes et Cipra France. Nous, ce qu'on a demandé aux étudiants, c'est de croiser ces enjeux énergétiques et ces enjeux de conservation de la nature pour faire ressortir ces zones de tension. C'est le premier point. Autre point que j'aimerais bien qu'on traite, c'est les enjeux de précarité énergétique qui sont liés à l'habitat, mais qui sont aussi liés à la mobilité. On le connaît bien au niveau de la métropole. Et puis, deuxième sujet ou projet qu'on a en cours de réflexion, on voit notamment les amis des parcs régionaux qui sentent bien que ces énergies renouvelables sont en train de se développer. Et qu'il va y avoir des conflits qui sont déjà en cours mais qui vont se multiplier à venir, et on a tout intérêt à travailler ensemble, alors par de l'échange d'expériences. L'exemple allemand est extrêmement intéressant parce qu'en Allemagne 50% des capacités d'énergie renouvelable appartiennent à des particuliers ou à des agriculteurs, donc je crois qu'on a beaucoup à se nourrir de l'exemple allemand, et pour faire ce travail d'échange, de coopération, sera mobilisé certainement des enveloppes leaders à travers la coopération. Je conclue, dernière diapositive. Pour Cipra France, à travers l'enjeu énergétique, on note trois points importants pour nous. L'indispensable mobilisation des acteurs du territoire. Tous les acteurs du territoire. On a besoin de travailler avec tout le monde, y compris les habitants. Pour nous, ça veut dire créer des plateformes de dialogue dans lesquelles, bien sûr, on a besoin des scientifiques pour venir nous appuyer. Et on a besoin de disposer de boîtes à outils pour répondre à ces enjeux. Deuxième point, les aspects socio-économiques sont des sources de motivation pour les acteurs des territoires. Et selon nous, les réels enjeux de demain sont sociétaux et comportementaux. Voilà. Et ça nécessite donc d'analyser cette transition sous le regard du développement durable en prenant les quatre piliers. Et dernier point, l'international est pour nous essentiel. C'est une source d'inspiration. À minima, il faut capitaliser sur ce qui se fait à l'étranger et diffuser ses ressources. J'ai ici un guide de bonnes pratiques édité par la Convention Alpine qui porte sur des exemples de bonnes pratiques pour des projets d'énergie renouvelable respectant la nature et l'utilisation des sols dans l'espace alpin. N'allons pas inventer des choses que l'on connaît déjà très bien dans d'autres territoires. Je vous remercie pour votre attention. Je cite juste des rencontres qu'on organise. Rencontre Enerbalp sur le solaire, il y en a une demain dans le Briançonnais et une qui doit être le 22 novembre dans les Préalpes d'Azur, le PNR qui est déjà bien confronté à ces enjeux. Et puis pour passer la parole à Thomas, la semaine alpine, événement qui recense toutes les ONG, dont ISCAR, que Philippe connaît bien également, semaine alpine qui se tiendra en France à l'automne 2020. Et j'espère qu'on va pouvoir construire ça ensemble de la manière la plus productive possible. Merci beaucoup. Je pense, suite à ces trois interventions, il y a
quelques questions dans la salle. Et donc, maintenant, la parole est à vous, même s'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Jean-Gabriel Vallet, Jardin du Lautaret. Ces deux remarques très générales, hein, qui, de citoyens, on va dire. La première, c'est où s'arrête et où y a-t-il des limites à l'étude du socio-écosystème ? Parce que là, on voit qu'on est sur des questions d'énergie, des questions de transition énergétique. Donc je m'interroge sur où est-ce qu'on commence et où est-ce qu'on termine dans une zone atelier. Donc ça, c'est une question très générale. Et ma deuxième remarque, qui est aussi en lien avec la première, elle est plutôt pour Philippe, mais on voit que dans votre travail, là, la question du déplacement était importante, hein, domicile-travail. Mais finalement, avec le télétravail, qui est quand même en train de prendre une place très très importante, hein, tant à l'université qu'au CNRS et très rapidement, cette limite du déplacement ne va même plus exister. Hein. Entre les moyens modernes de communication, la possibilité de télétravailler, etc., etc., les tiers-lieux et compagnie. Donc voilà, je pense que c'est une dimension et qui pose aussi la question des limites du socio-écosystème. Alors, à la deuxième question, parce que la première est un peu au-delà de mes compétences. Quand on a travaillé avec des habitants de l'entre-deux Grenoble-Vercors, en allant jusqu'à Angers, Lens et Saint-Dizier, on s'est aperçu dans les interviews que les gens minimisaient toujours les temps de transport. On discutait sur leur trajectoire de vie, sur leur mode de vie quotidien. La plupart d'entre eux étaient des navetteurs. Mais quand on leur demandait d'estimer le temps de trajet pour rejoindre leur travail, et ils le minimisaient systématiquement. En disant, oh, c'est à 20 minutes, 25. Alors qu'en fait, si on va sur le campus depuis le Vercors, il se pourrait que ça soit selon les heures. Il y en a certainement qui pratiquent. Ça peut être deux fois plus, très, très largement. Ça, c'était une première. Mais c'était. Quand on interview des gens, on postule leur sincérité. Donc, ils étaient sincères. Mais ils avaient tendance à minimiser ce temps de trajet. Ils étaient tous adeptes des mobilités douces. À la belle saison, ils descendent en vélo, ils remontent en vélo, ils transportent le vélo pour faire la moitié du trajet, comme ça. Ils sont tous adeptes du télétravail. Mais on sent bien qu'on est encore dans une logique de recours massif à la voiture, même s'il y a des acharnés qui font autrement en Grenoble en vélo tous les jours, à peu près quelle que soit la saison, ça reste encore minoritaire. Mais oui, on peut espérer effectivement que la logique de montée, d'espace de coworking, de localisation de l'emploi sur place, c'est un peu l'enjeu de Champs-Rousse. Dans le projet de rénovation urbaine Champs-Rousse 2030, il y a l'idée de créer des espaces d'activité, des espaces de travail. Qui pourront être investis avec peut-être même des flux inversés, c'est-à-dire des gens qui viendront travailler depuis la métropole ou qui viendront résider pour travailler en station. Merci beaucoup. Peut-être par rapport à la première partie de la question, Alexandre ? Oui, parce que effectivement j'ai été trop long, je l'ai dit à la volée. Mais c'est à la zone atelier, son conseil d'administration, ou je sais pas, enfin, de savoir jusqu'où elle va. Mais je pense que si on a beaucoup parlé d'énergie, de transition énergétique, c'est que le champ d'intervention majeur des acteurs publics aujourd'hui et demain, et que pour qu'on le fasse bien, on se rend compte que il serait temps, direz-vous, mais on a besoin de bien, bien mieux connaître nos ressources. Et en premier lieu, donc pour revenir sur ces questions d'énergie et notamment de renouvelables, notamment notre forêt quoi, et notre patrimoine forestier, dans quel état il est, comment il va évoluer aujourd'hui, demain, en fonction du changement climatique, en fonction des variations de capacité d'exploitation, de nature des espèces, etc. etc. Donc pour nous, c'est vraiment là-dessus qu'on a besoin de la zone atelier. Et c'est vraiment là-dessus qu'on discute avec Philippe et Thomas, notamment dans la convention qu'on est en train de finaliser. C'est en quoi une métropole aujourd'hui qui part de 250 mètres jusqu'à quasiment 2200 mètres au sommet des Deux Sœurs dans le Vercors, parce que la limite altitudinale de la métropole, il est là. C'est qu'on a un territoire où le gradient altitudinal moyen par commune est de quasiment 1000 mètres.
ça n'existe pas ailleurs, dans un autre, enfin en tout cas en France. Donc on a un territoire d'expérimentation, de production de connaissances scientifiques dont on réalise le potentiel, l'intérêt pour activer de la recherche sur notre propre territoire, qui c'est tout bénef pour la métropole, et en plus pour servir ses politiques publiques et notamment ses enjeux de transition et notamment en matière d'énergie. Donc pour nous, le lien avec la zone atelier, il est évident sous cet angle-là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Philippe ? Non, mais c'est juste une petite remarque par rapport aux premières interventions sur ces notions de continuité, discontinuité entre la ville et le rural ou la nature. Finalement, cette expérience de la discontinuité, il y a 15 ans, on la vivait lorsqu'on allait de Grenoble à Chambéry. On passait effectivement d'un milieu très urbain à la campagne, tout en restant dans la vallée. C'est plus le cas, puisqu'on a quasiment une conurbation entre Grenoble et Chambéry. Donc je comprends qu'un des enjeux, peut-être, c'est d'arriver à préserver ces discontinuités lorsqu'on passe sur un gradient altitudinal, et que les gens soient sensibles en fait, à cette expérience de la discontinuité, quoi. Donc on peut aussi imaginer des scénarios dans lesquels il y aura une conurbation aussi altitudinale et non plus latitudinale. Tu veux y répondre ? C'est vrai que c'était le statut de cette frange verte autour de l'agglomération grenobloise que d'assurer cette discontinuité. Cette discontinuité, alors ça a été évoqué, hein, effectivement, elle tient aussi à, par exemple, où est la limite entre la ville et la montagne. Est-ce que c'est là où la neige commence à tenir sur la route quand il y a de la neige, sachant que la limite risque de s'élever, ou de devenir imperceptible de plus en plus. Donc il y a là des enjeux liés à la mobilité, il y a des enjeux liés à l'urbanisation. Est-ce qu'on va se mettre à habiter les pentes? Et on voit que c'est une dans une métropole comme Grenoble qui a un problème de surface pour s'étaler, ça sera un enjeu. Ça sera un autre enjeu à l'échelle, par exemple, je vais continuer l'exemple du Vercors, c'est-à-dire le Val de Lens. C'était un des arguments des opposants au téléphérique, en disant, voilà, finalement, si on ouvre une fluidité dans la relation à l'agglomération via une liaison téléportée, si on bloque l'urbanisation, les prix vont exploser, soit si on libère l'urbanisation, on va en fait avoir une conurbation, on va tout urbaniser. Il faut travailler ce genre de questions et la discontinuité, évidemment, c'est une grille de lecture clé. On retrouve la grille de lecture paysagère que Marc Jérôme évoquait. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a encore une intervention qui vient d'arriver après le déménagement complet vers le musée. Je vous remercie tous les trois pour vos interventions. Je vous rappelle juste rapidement dans le contrat de labellisation de la Zone Atelier Alpes, on a quelque chose qu'on appelle un master site Lyon alpin qui contient justement ces relations entre la montagne et la vallée. Et donc, je pense qu'il y a quand même 2, 3, 4 idées qui ont émergé sur lesquelles on peut continuer à travailler. Merci beaucoup à vous tous. Merci.